Sébastien Messini, président du conseil départemental de Lot-Garonne. Je suis là pour vous parler de la mixité sociale dans les collèges, véritable projet que nous avons initié depuis 2017 en Lot-Garonne pour faire en sorte qu'il y ait de la réussite dans les établissements des collèges. Nous avons fermé les collèges ghettoisés de l'agglomération toulousaine et nous avons déplacé 1600 collégiens dans les 7 collèges favorisés de Toulouse. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Les résultats de brevet sont passés de 49% de réussite scolaire en 2017 à 71% en 2022. C'est une réussite. Ça montre que lorsqu'il y a de la volonté politique et du partenariat avec l'éducation nationale, nous pouvons donner des meilleures chances de réussite aux collégiens. Et cette ambition que nous avons portée à notre Garonne, on souhaite le porter au niveau national.